Je remercie ma. Je suis là ce matin pour dire merci au Dieu de mon père et à mon papa. Ça s'est passé le dimanche nuit. Le dimanche nuit, au bout de 1 heure, je vais me lever pour prier. J'ai vu comme si quelqu'un était arrêté ou j'ai envoyé ma tête. Mais j'ai prié jusqu'à 3 heures, je me suis couché. Quand je me suis réveillé à 5h10, j'avais mal. Et c'était comme si quelqu'un a pris une lame pour déchirer dans ma poitrine à l'intérieur. Et j'avais froid. Bon, je me suis dépêché. Je suis allé au travail quand même. Mais quand je suis arrivé autour de 6h20. Je suis resté assise jusqu'à midi. Je ne pouvais rien faire. Et ça s'aggravait maintenant. Maintenant, la douleur descendait dans mes pieds partout. Mais je ne peux pas boire l'eau, je ne peux pas avaler ma salive. Ce n'était pas dans ma gorge, c'était dans ma poitrine. Si je bois l'eau, ça reste dans ma poitrine. Et c'est comme s'il y avait une boule là-bas aussi. Le père me dit, ça, il faut que j'appelle papa ou bien. C'est son heure de prière. Mais à midi 6, je me suis décidé, il a appelé. Il a appelé. Il m'a dit, va prendre l'eau, il a prié le sang, tu vas boire. J'ai pris l'eau, un verre d'eau. J'ai prié, j'ai bu. Et je me suis couché, parce qu'il y avait froid. Je me suis couché en bas de mon bureau. À 14h15, je suis levé. J'étais mouillé de sueur, comme si j'avais pris aspirine effervescente. Et depuis ce jour-là, la douleur descendue ne m'en revenait pas. Jusqu'à aujourd'hui. Merci, papa, pour tout ce que tu as pour nous. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer toi? Dieu de mon papa, Dieu. La nuit du samedi, la nuit du vendredi au samedi, 3h du matin, ma grande fille qui avait la perdue dans mes sens. On allait à la peine, dans une perfusion, à 8 ans, nous est libérée. Au vendredi 19h, elle va aller à la prière. À son retour, elle est tombée en route et l'on soulevait son corps pour amener à la maison. On s'est retourné encore à la peine, elle était dans le coma. Et c'est comme ça, j'ai appelé papa. Elle dit, ah papa, ma fille est dans le coma. Il dit, ça va pour me dire, la terre est comme. Il dit, mais ta mère, ça va. Il me dit, non, elle en salle de réanimation. Il dit, mais ta mère, si tu as mis ta poitrine. Comme ça, j'ai mis ma mère sur ma poitrine, la prier. De 19h à 1h du matin, c'est là ma fille est revenue en elle. Et elle était dans le coma, elle a dit, papa, en tout bleu qui était à son cheveu de lit, l'a attrapé par la main, c'est comme ça, elle est revenue en elle. Le mercredi, je suis venue voir papa pour mon problème de travail. Parce que je suis à la maison, je ne fais rien. Donc je suis venue, je n'ai même pas parlé. Papa a dit, tranquillise-toi, tu vas travailler, que Dieu va faire. Je suis partie à la maison, à 0h, je me suis réveillée et j'ai franchi chez vous et j'ai prié. J'ai dit, le Dieu de papa Dieu, demain j'ai dit, je ne peux pas rester à la maison, manifeste-toi. Parce que Dieu a dit à ton serviteur de me dire que Dieu va faire. Donc manifeste-toi. Le matin, je me suis réveillée et j'ai fait la même prière. Et je me suis lavée, j'ai pris mon sac à main, j'ai commencé à rouler de moi, je me suis habillée. Et j'ai dit, le Dieu de papa Job, aujourd'hui là, je reste pas à la maison, manifeste-toi. À partir de 7h13, on m'appelle, on dit, viens travailler. Et il a commencé à prier sur moi. Mais moi, il était sur
Jésus. Dieu, il est Dieu. Donc c'est ce moment que je rends gloire à Dieu ce matin. Pour l'homme qui l'a fait, le papa ce matin, que lui rend gloire, que toujours mettre la force en lui, que tu touches toujours pour rien pour nous. Vraiment, je rends gloire à Dieu ce matin, je lui dis merci. Moi, j'ai travaillé avec mon mari, j'ai dit merci, nous devons faire la même chose. Le jour dernier, on est là et on se regarde. Donc mon mari, toi il parlait de l'autre côté, moi je me retiens un peu. Et là-bas, j'ai décidé de chercher une place. La place qu'on m'a donnée, il y a une dame qui avait payé 200 000, elle dit c'est la place laquelle elle veut. Il a dit, moi je suis la fille du prophète John Mamadou. C'est ça. Ma chérie, il faut chercher ailleurs. Mais là où tu vas, là, tu vas perdre. Alléluia. Et comme ça, dimanche passé, je suis venu voir papa. J'ai dit, papa, il y a une femme qui a pris ma place, elle a payé 200 000. Mais papa, moi, je n'ai rien, mais je vais la place. Il dit, ma fille, tu veux, j'ai dit, papa, je veux. Il dit, tu vas avoir, tu vas avoir, tu vas avoir, tu vas avoir, tu vas avoir. Amen. Donc, le lendemain, il a dit, bon, c'est qu'est-ce qu'il a pris peur, on ne peut pas dire quelque chose. Alléluia. Eh, Jésus est merveilleux. En attendant, si tu es là, je vais signer un livre. Il est là, le grand bureau qu'on a un cadeau. Donc j'étais assise là, on allait dans le bureau du propriétaire du marché, et la dame en question n'était pas là. Donc il y a une personne, le membre du bureau, il y a une personne qui était à ma faveur, et trois autres contre moi. Donc, d'abord, mon personnel, j'ai expliqué un peu. Quand j'ai vu que tout ce qu'il disait ne me concernait pas, je me suis dit, je lui ai dit, mais Dieu de mon père Dieu. Parce qu'un jour, mon père Dieu m'a dit, tant que je suis ton père spirituel, ma fille, tu vas pas rester là-bas. Et c'est resté. Comme ça, je suis là, je dis, Seigneur, le Dieu de mon père Dieu agit. En même temps, le prophète du marché est arrivé, je dis, Seigneur, c'est le dernier mot. Et la dame dit, mais la foi nous a fait quoi? Donnez-lui une place maintenant, le Dieu, alléluia! Oh, je viens de commencer. Quand on est arrivé là-bas, la dame dit, ah, ma fille, voilà ta place. Les femmes grosses se sont levées. Je dis, mais vous-même, vous dites quoi? Vous avez un Dieu. Moi, j'ai un Dieu. Et Dieu merci. En tout cas, ça n'a pas été facile. Moi, dit que nous avons cassé le marché. Les produits du marché Nouveau Goudron. Donc, toutes les femmes ont l'argent, elles n'ont pas place. Mais moi, je n'ai pas l'argent, je veux place. Alléluia. Et c'est seulement beaucoup se sont levés, mais la victoire, on m'a donné la place. Parce que mon père a dit, tu vas avoir, tu vas avoir, tu vas avoir. Et j'ai dit, c'est pas le Seigneur qui m'a dit à mon Dieu. Je partais payer grève. Avant ça, j'étais mariée à un grand type. Mon mari était inspecteur de l'enseignement primaire. Donc, ce monsieur, on a parcouru tout la Côte d'Ivoire, arrivé à grand là où il m'a abandonné. Donc, c'est dans ça que je partais payer grève. Et j'ai un frère là-bas, il m'a vu. Il dit, je connais un père. Il va prier pour toi et ta vie sera normale. C'est là qu'il m'a donné le numéro de papa Dion. Et je suis venu, j'ai appelé papa, il dit, mon église à l'Académie des Mères.
Donc c'est là que je suis venu. En 2007. Quand je suis venu, j'ai vu mon père, il dit, papa, voici mon problème. Mes enfants, moi, à l'école, ils s'occupent de mes enfants, bien. Même mon mari m'a pardonné. Qu'est-ce que je dois dire? Il passait tout mon temps à pleurer. Celle-là, elle avec moi, la personne connaît mon problème. Tout le temps, je pleurais. Je ne sais pas où venait ma tête. Je suis venu voir papa, il dit, ça va aller, ma fille. Ça va aller. Quand j'étais là, je priais toujours. Dieu a opéré un miracle à ma fille. Ma fille, elle était à l'UMAO. C'est là qu'elle était à l'université. Quand elle a fini ses diplômes, elle a eu tous ses diplômes. Elle a eu un mari qui était au Canada. Le monsieur est venu la marier. Il a fait tout. Il est parti. Et ma fille, après, elle est partie derrière son mari. Donc ce matin, ce que je voulais dire à papa, c'est pour lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Quand j'étais dans le dans, je pleurais, il m'a levé. J'étais tout, il m'a levé. Aujourd'hui, je dois aller au Canada. Parce que tous les quatre enfants, il est accouché normalement.
s'éteint, et donne à l'esprit de prendre le dessus. Acclamons le Seigneur. Bonjour mes enfants. Bonjour. Je ne te sens pas bon. Je ne sens pas bon. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus te sentir? J'ai dit merci à Dieu pour le bébé. Vous savez, il y a des moments difficiles par moment, même dans la vie du prédicateur. Amen. Ce que vous devez savoir, quand ça vous arrive, j'ai plus la foi que quand ça m'arrive. D'expliquer. Quand tu m'appelles par exemple, tu me dis, papa, mon enfant est dans le coma. Quand j'ai regardé la situation, je crois rapidement que ton enfant va se relever et je te donne une parole aussitôt. Maintenant, quand c'est chez moi à la maison, je n'ai pas la foi quand ça te concerne. Ça va me montrer. D'accord. C'est comme ça, ça y est. Ni un prophète chez toi. C'est comme ça, ça y est. Ni un prophète chez toi. Ah oui. Ni un prophète chez toi. Le jour où un prophète chez lui à la maison, la question ne s'inquiète pas, c'est que ce qu'il fait là n'est pas de Dieu. C'est que tout ce qu'il fait ça n'est pas de Dieu. Nul n'est prophète que soi. Même Jésus, est-ce qu'il a fait beaucoup de miracles à Nazareth? Demandez-moi. Non. Il était fort à Capernaum, il était fort dans d'autres villes. Mais Nazareth, il arrive, il est à famille. C'est comme ça. 8 mois, échographie d'une enfant. Quand on regarde la position, la tête en haut, pied en bas, je dis ce film-là, je connais ça il y a longtemps. Hein? Je connais ce film-là il y a longtemps. Mais elle avait trop la foi. Dieu n'y a rien. Il va se positionner bien. Il a changé encore comme ça, tous deux. Moi, j'ai changé la position sans rien lui dire. Et puis j'ai dit à l'enfant, suis la position qui est changée là. Tu dois mettre ta tête à part. Ton papa là, c'est un homme de sacerdoce. Si tu n'es pas au courant, je te dis. Amen. Par moment, votre papa n'est pas normal. Je ne suis pas normal. Je suis habitué au langage des esprits qu'au langage des hommes. C'est ce qui fait ma particularité. Ok. Et on lui dit, de jour en jour, l'enfant grossit. Et c'est pas bon. La soeur a accouché l'enfant avec 4 kilos de sang. 4 kilos, c'est quand même pauvre. On finit la veillée, je suis en deux feux. Je dois aller prêcher. Ma femme a besoin de moi. Cette femme a besoin de moi. Ma prédication a besoin de moi. J'ai choisi quoi? J'ai choisi quoi? Dites-moi. Non, en toute sincérité, j'ai choisi quoi? Votre femme. J'ai choisi ma femme. Parce que prédication, il y a plein de prédicateurs. Mais moi, j'ai dit non, 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 c'est un défi. C'est un défi. Déjà, la jeune femme, j'ai préparé 800 000 pour la césarienne, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, le Dieu qui est prêche, va faire accoucher ma femme. Et c'était la veille de Noël. Donc toutes les femmes disent, ah non, non, césarienne, rapidement, comment ça fait? Quand il y a césarienne, là on abolisse tout et tout.
Il dit, moi, mon produit, ça, vous n'allez pas manger, mais je vous donne l'argent cadeau, elle va manger. Donc, c'est ainsi, j'ai pris la voiture, et encore un second feu, j'étais à l'hôpital, c'était un feu. Je vois la voiture de la mariée qui n'est plus dans mon réseau, la voiture est perdue. Donc, quand je regarde, si tu ne fais rien maintenant, je vous, parce que là, je suis occupé, je suis en train de prier pour ma femme et pour le mariage, la voiture de la mariée n'est plus dans la trajectoire spirituelle. Donc, il y a un problème. Donc, il se met à prier, et effectivement, j'ai décollé avant qu'il arrive à le poumon. On m'appelle, on dit ta sang vient d'accoucher, une très grosse vie. Et la dame n'a pas fait ses arrières. Non, il sait que vous n'avez pas fait ses arrières. C'est pas possible. Dans son répertoire spirituel, il n'y a pas ses arrières. Et là, j'arrive au mariage, on dit, ah, c'est pas compliqué parce que la femme qui veut se marier, elle est tombée pour deux fois. Oh, ça m'appelle là. Est-ce que ma fille est là? Ok, là, là. Vous avez mis des dizaines là, ici. Elle est tombée dans les pommes deux fois. Je dis, bon, c'est pas là le problème. Mais l'aventure s'est passée comment? La voiture est mariée, d'abord, on ne t'a pas dit. Le chauffeur s'est trompé de route. Où on l'attendait, il a pris notre voix. Et c'est une femme qui est venue au-devant de eux. Elle a coupé au-devant de vous dit, c'est pas la route qu'on devait prendre, c'est l'autre route. Et on regarde derrière, l'autre femme a disparu. C'était mon ange. Amen. Voilà pourquoi prier avec un papa et être fidèle à lui, les anges de ton papa te suivent spirituellement. Je suis très content pour cette maman qui a rendu témoignage au Canada. Depuis 2007, elle est ici. Elle a assisté à tout ce qui est sacerdoce, tout ce qui est problème, tout ce qui est difficile. Et tout ce qui est joie, elle a tout participé. Maman, tiens-toi de vous. C'est ce que j'ai dit il y a plusieurs années. Quand tu vas arriver, ça va arriver. Merci beaucoup. La chose la plus difficile, c'est de servir Dieu. Surtout quand tu aimes ton travail. Ah, je me souviens il y a 6 ans en arrière, même pas l'assemblée, que j'ai un problème. Je dis à personne de ma fille au bloc. Et je suis en train de prêcher. Et je dis à Dieu, tu es Dieu et tu es Dieu. C'est toi qui me l'as accordé. Et je prie que ça se passe très bien. Parce que la première opération avait échoué. Un bébé de 2 semaines. La première opération a échoué. Ça a pris 3 millions. La deuxième opération a pris 3 millions. Amen. Parfois, quand tu appelles ton papa, qui ne voudrait pas atteindre une petite minute, tu ne vas pas le chasser. Peut-être que tu as un feu qui ne veut éteindre d'abord. Il veut éteindre d'abord. Et la troisième opération a pris 2 millions 5. Vous voyez? Voilà pourquoi quand je regarde ma fille, je dois tout à ma grande soeur. C'est elle qui l'a fait pour moi. Les enfants. Quand les mains servent Dieu, Dieu s'occupe de lui. Personne ne va dans l'armée à ses propres frères. Quand l'armée dit tu es apte, l'armée te donne l'aigneur. L'armée te donne les trilles. Vous pouvez ces deux trompes, mais elle a eu des enfants. Il veut l'envoyer les papiers. Où elle est, elle est là. Vous voyez que c'est les vieux carnets. Ce n'est pas un nouveau carnet. Voilà les papiers. Confirmé. Ça a été en rouge. Première césarienne, ils ont enlevé le premier tronc. Deuxième césarienne, ils ont enlevé la deuxième tronc. Voilà les papiers. Ah, voilà les papiers. Gloire à Jésus. Un médecin te dit, c'est pas possible.
Le médecin dut croire à sa science. Maintenant, le pasteur te dit c'est possible. Le pasteur croit à Jésus, mort, ressuscité. Ah oui, je me suis mis à cette action. Je dis, il y a une dame là. J'ai eu deux fois, elle n'a pas de trompe. J'ai eu deux fois, elle est là tout le monde. Après la prière, elle sera un garçon. Elle se met à venir de vous, elle a commencé à trembler. Il dit, c'est quoi? Trois mois après, elle a eu un garçon. Un an après, elle a eu un autre garçon. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le jour où votre papa va quitter la terre, je vais vous dire quand je vais mourir. Et moi, je me peins le soir, je vais mourir le midi. Le soleil va se cacher. Parce qu'un grand homme est en train de monter au ciel. Alléluia. Amen. J'ai un mystère à partager avec moi. Mais ce mystère, il est uniquement pour ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ça ne les concerne pas. Voilà pourquoi tous ceux qui m'entendent, ceux qui me regardent à présent, doivent tout faire pour naître de nouveau. Parce que Nicodème aimait Dieu. Nicodème suivait Dieu. Mais Nicodème avait un problème. Nicodème n'était pas né de nouveau. Jésus dit à Nicodème, Nicodème, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Mais pour que tu vois le royaume des cieux, né de nouveau. Nicodème dit, ah, avec l'âge que j'ai, est-ce que je peux entrer encore dans le front de ma mère pour guérir? Jésus a dit non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Un homme qui est né de nouveau, il est 100% Jésus. Sa pensée, c'est Jésus. Avant d'agir, il se pose la question. Est-ce que l'acte que je veux poser, est-ce que Dieu aime l'action que je veux poser? Il marche avec un point d'interrogation en disant, où je vais, est-ce que Dieu est d'accord que je parte là-bas? Ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? On peut l'applaudir. À partir du verset 4. La Bible dit, Dieu nous a créés plus inférieurs à lui. Ça vous parle dans l'esprit un peu? Peu inférieur à lui. Je vais donc un peu grand détail et d'autres un peu petit détail. Qui ne dit pas détail, qui vient? Qui sait qui ne dit pas détail, qui vient? Mais papa, je ne vais pas. Je l'arrive où? Je l'arrive où? C'est vrai? C'est vrai? Tu l'as créé plus inférieur à toi. Voilà l'homme. Et voilà Dieu. Peu inférieur. Je dis bien peu inférieur. Merci. Merci, papa. Voici pourquoi, dans le psaume, il est écrit, ô Dieu, ton Dieu t'a loin. Oh Dieu, ton Dieu t'a loin. Dieu t'a créé plus inférieur à lui. Dieu a la capacité d'imaginer. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Voilà pourquoi il a donné aussi la capacité à l'homme.
avec la jambe là, ça c'est luxe. Je suis allé dehors. On m'a montré une Mercedes qui a plus de 120 ans de fabrication. Même quand c'est là le volant, c'est fer. Où on s'assoit, ressort la main là. Il n'y a pas bon ressort. Les hommes créent et ils parfont ce qu'ils créent. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la capacité de créer. Parce qu'on est créé, on a été créé peu inférieur à lui. Pas également comme lui, mais peu inférieur. La distance est en toi et Dieu n'est pas trop. Voilà pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand je marche, je vois mon image. Voilà mon image. Voilà mon image. Quand tu vas prendre mon enfant, qui est là le groupe sanguin, tu verras que c'est mon sang. Donc Dieu nous a fait plus inférieur à lui. Voilà pourquoi j'aime bien ce passage qui dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc Marie dit, Dieu nous a tellement aimé. Regardez comment Dieu a créé un ange. Quelqu'un me regarde s'il vous plaît. Il ne s'est même pas fatigué pour créer l'ange. Il a imaginé, les anges ont 6 ailes, pour ceux qui voient les anges, ils en ont 6. Ils ont 2, ils prennent pour couvrir les pieds, et ils ont 4 ici, ils prennent pour voler. Quand un ange combat le sein ici, il a le feu ici, il a l'épée ici. Je l'ai pas fait souvent. Donc on fait le combat sur une tête qui descend, quand ils font comme ça, ils lancent le feu. Et là, c'est l'épée. Comme ça, ils lancent le feu. Mais par contre, les anges de bénédiction, quand ils descendent, ils n'ont pas d'épée, ils n'ont rien à main, mais seulement ils sont blancs comme la neige. Et quand ils viennent, ils font un cercle comme ça. Et ce qui descend, c'est la bénédiction. Moi, je fais ma parenthèse. Maintenant, pour créer un ange, Dieu a réfléchi et puis a fait comme ça. Et puis ils ont descendu, comme ça. Comme ça. Ils sont descendus. Pour créer la lumière que tu vois, Dieu a réfléchi un matin, il dit, je suis l'être suprême. Que la lumière soit, et la lumière soit. Maintenant, pour créer l'or, quand Dieu a fini de créer toutes ces choses, le champion vient toujours en dernière position. Ça, c'est vrai. Le champion ne vient jamais en première position. Voilà pourquoi un star, ils vont annoncer médaille d'argent, médaille de bronze, médaille de temps, médaille de temps. Maintenant, le véritable champion lui vient en dernière position. Maintenant, il dit, mesdames et messieurs, on se tient debout pour accueillir le champion. Maintenant, le champion qui vient en dernière position, il vient pour couronner tous ceux qui sont mis bronze, tantan, et il vient pour annoncer le champion. Donc, quand Dieu a créé les cieux de la terre, il a créé toutes les bêtes, il a créé la mer, il a créé le soleil, il veut maintenant créer le champion en dernière position. Est-ce que le champion qui devrait nommer tout ce que Dieu a créé? Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un champion. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour toi. Et c'est pour toi qu'il a créé. Et il a tout mis sous terre. Yeah. L'homme est champion. Regardez. Même quand on place la divinité, après Dieu, il était de l'homme, vient l'homme. Maintenant, après l'homme, vient les anges. Après les anges, maintenant, vient tout ce que tu peux toucher et voir. Toutes les belles, tous les goûts. Donc tu me dis, Dieu nous a créé plus extérieur à lui. La distance en toi et Dieu est petit. La même manière, pour te prouver ça, Dieu lui-même est descendu parmi les hommes, il s'est fait homme, il a dormi dans le sein de Marie, Marie l'a poussé comme une femme à couche, il a grandi, pour dire que l'homme et Dieu, la distance n'est pas trop loin. La distance n'est pas loin. Maintenant, l'homme régénéré, c'est bien génial dans Dieu.
Si tu t'arrêtes, tu es sorcier. Que Dieu bénisse moi, tu penses que c'est arrêté ici, oh, je suis arrêté là-bas. Jésus l'a manifesté. Voilà pourquoi un temps, quand ils ont pris la main sur lui, il disparaît. Il disparaît jusqu'à ce que son temps arrive. Donc Dieu nous a créé peu inférieur à lui. Voilà pourquoi. Regardez ce poteau. Ce poteau ne bougera jamais. Il vous dira jamais. Va à Londres. Va partout. Maintenant tu vas revenir, ce poteau est là. Il est là parce qu'il n'y a pas de vie en lui. Mais il y a deux vies en nous. La première vie, c'est ce qu'on a reçu quand on est venu sur la terre. Mais la deuxième vie glorieuse, c'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là maintenant, tu es peu inférieur à Dieu. Maintenant tu n'as pas encore accepté, tu n'es pas peu inférieur à lui. Tu es peu inférieur parce que tu as donné ta vie à Jésus. Quand je vois encore les chrétiens, fétiche encore les dénants. Dans ces générations, ils vont au village pour ça. Ruchière, il est dedans. Tantan, il est dedans. Mais je ne sais pas où je vais te classer. Ce matin, mon rêve et le rêve de Dieu, il faut que tu sois chrétien 100%. On ne mélange pas ça. On ne mélange pas ça. Non, quand tout le monde adore l'eau des genoux, si je ne l'ai pas aussi, ils vont parler. Mais laisse parler, et puis par contre, Dieu va parler pour toi. C'est quel est un test qui est important. Vous savez, moi, je dirais comme il est défi public. Je sors d'une famille musulmane. Ah oui, qui connaît la COVID? Qui connaît bien la COVID? Lève la main, tu veux voir. Qui connaît Kwaku Koro à Covid? Tu ne connais pas? Avant d'arriver à Sokora, il y a un petit quartier Kwaku Koro. Ok, qui connaît l'école de Floride? Ok, de Floride, c'est pour mon grand-père. Quand tu arrives chez nous à midi, si tu n'as pas un homme capricieux, tu vas avoir honte. Parce qu'il y a au moins 60 personnes dans la maison. Mais c'est dans cette ambiance que j'ai accepté Jésus. Mon père m'a dit c'est pas bon. Mon grand-père m'a dit c'est pas bon. Mes frères et soeurs m'ont dit c'est pas bon. Mais je suis tellement convaincu de la chose. Même si je dois perdre mes parents et pour avoir admis Jésus de Nazareth, je l'ai fait. Et je l'ai fait aujourd'hui, j'ai le résultat. Quiconque accepte Jésus réellement dans son cœur, il est plus inférieur à Dieu. Parce que les attributs de Dieu, c'est quoi? Dieu a la capacité de réfléchir, de réaliser. Donc immédiatement, il était comme Dieu, mais il n'est pas Dieu, mais comme Dieu. Maintenant, je vais un peu plus loin, il devient Dieu. Dis papa, pourquoi il devient Dieu? J'avais l'idée de Dieu. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Il devait dire pourquoi. Même quand il va prêter un véhicule, il demande à Dieu quelle est ta volonté. Est-ce que c'est bon que j'en prie? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'en fichent même de la volonté de Dieu. Qui connaît Polo? Tu connais Polo? Pour ceux qui vont être placardés, tu connais Polo? Quand quelqu'un est charnel, c'est trop difficile. Mais quand il est spirituel, tout ce qu'il fait, lui-même il demande à Dieu, quelle est ta volonté? Même qu'il va le parler à quelqu'un, il se met en genoux. Seigneur, quelle est ta volonté? Tu ne descendras jamais pour te parler audiblement. Mais Dieu va te parler par conviction. Dieu va te parler par intuition. Dieu va te parler par des rêves. Dieu va te parler par des gestes et faits. Dieu va te parler même par des païens. Si tu cherches la volonté de Dieu, tu trouveras la volonté de Dieu. Malheureusement, mon prophète, il voit tout. Non, il voit tout. Si un malheur, il va me dire, je suis désolé, ce n'est pas tout, je vois. Dieu me donne de voir ce qui est important. Ce qui n'est pas important, je ne peux pas voir. Dieu nous a fait plus inférieurs à lui. J'ai donné la nature de
voyez, Dieu a un conseil. C'est biblique, hein? Dieu a un conseil. Et Dieu tient un conseil avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, toi, c'est ok. Mon fils à nous. Je suis ton fils. Comme c'est mon père. La seule chose que je reconnais qui porte mon nom, je ne le salue pas. Je ne lui demande pas conseil. Je m'en fous de lui. Quand je le vois, même là, mais ce n'est pas mon problème. Tout est tout. La relation de ça en lui et moi, c'est quelle relation? Dites-moi. C'est quelle relation? Pourquoi vous ne me parlez pas? Père et fils. Père et fils. Quel bon père et fils ailleurs? Mauvais enfant. Fin d'année, il ne vient pas me voir. Il ne s'ennuie même pas. Il ne prend pas conseil avec moi. Il ne fait rien avec moi. Il s'en fout de moi. On dit quelque chose de conseil. Ma maison est en train de tomber. Il ne donne pas son argent. Rien ne l'intéresse. Lui, il vient s'asseoir, c'est tout. Il y a plusieurs collaborations comme ça. Plusieurs collaborations comme ça avec Dieu. Ce qui l'intéresse, les chrétiens, c'est bon. Prière. Lui, le ministère. Lui, le ministère. Ne pas faire les gros prières. Lui, le ministère. Non. Il y a trois sortes de prières. La première prière, c'est demander. Deuxième prière, supplication. Troisième prière, frapper. Mauvais amen. Je ne sais pas quel sort de prière tu es. Première prière, demander. Deuxième prière, supplication. Quand tu ne seras pas maintenant, c'est quoi? Frapper. Quand on frappe à une porte, même quand quelqu'un tombe, il va s'élever. Mais quand la relation qu'il te dit avec Dieu, tant qu'on n'a pas dit l'église, j'aime, comme tu n'aimes pas. Tant qu'on n'a pas dit, on a prié le combat, comme tu ne combats pas, c'est dangereux. Parce que tu combats de l'esprit que toi tu ne vois pas, mais il te voit. Non, pourvu que je sois à l'église, si je ne suis pas devant ma télévision, il y a ma porte pour écouter, un point c'est pour. Non, tu ne me fais pas plaisir. Moi-même, je vis par le ciel. Donc toi, tu faut vivre par le ciel. Donc, mes enfants, la vie chrétienne est devenue trop léger. Même dans l'église, mon père a 2 cas, 3 cas, 4 cas. Le monde ne fait pas ça. C'est vrai, c'est faux. Nous sommes créés plus inférieurs à Dieu. Réfléchissons comme Dieu réfléchit. Agissons comme Dieu agit. Il y a Dieu aux gens. Pendant du monde, c'est le petit frère du prophète, c'est le neveu du prophète, le cousin du prophète. Donc, je suis fier, je suis avec lui, tout et tout. Quand tu es fier, moi je ne suis pas fier, c'est la honte. Quand tu es fier, le prophète a fait qui c'est moi. Moi j'enseigne la crainte de Dieu. Donc toi tu vas craindre Dieu. Normalement, tel frère te dit, je t'aime. Je veux qu'on marche ensemble. S'il est sérieux, amen, il faut qu'on l'envoie un mercredi. Tu me l'envoies un mercredi, j'ai le dossier de tout le monde ici. De tout le dossier. S'il est bon, je vais te dire s'il est bon. S'il n'est pas bon, je vais te donner la prière encore un peu. Mais, dans, je t'aime, un enfant sort, deux enfants sort, trois enfants, quatre enfants. Non, on est plus que des païens. Dieu nous a créés plus inférieurs à nous. Tellement on est dans le spirituel. Il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Tout ce qu'il dit se réalise. Vous voulez constater que moi, je n'aime pas trop prier, prier, prier. J'essaie de prier, prier. Pourquoi? C'est comme un homme a dit, moi, donc timide. Il a timide et il dit, timide, viens. C'est la pompe petit. Il met la main dans la bouche et puis il fait comme ça. Et puis il dit, tiens. C'est vrai ou c'est faux? On a le pouvoir. Donc déjà, quand quelqu'un m'appelle, la première chose que je fais, c'est de lui donner la foi. Et la deuxième chose, je décrète. Je ne prophétise même pas. Prophétie dure. Prophétie patiente. Mais quand je décrète, ça arrive immédiatement. On était très peu inférieur à Dieu, peu. Mais ce qu'il fait, que par moment Dieu ne nous expose pas, le péché est trop. Un chrétien normal, qu'est-ce qu'il a péché, qu'il n'a
train de prier, lui-même la honte. Ça t'arrive pas? Si ça t'arrive pas, tu es en danger, ta conscience est morte. Ah oui? Quand ça t'arrive pas, c'est que tu es en danger, ta conscience est morte. Il y a les chrétiens, tout ce qu'ils font, ça ne lui dit rien. Il a péché au haut, il s'en fout. Il a insulté quelqu'un où il s'en fout. Tout ce qu'il faut, il s'en fout. Il n'a pas péché. En temps normal, quand un chrétien a péché, la première des choses, quand il s'est vêtu de son péché, c'est là qu'on commence à prier. La deuxième des choses, il cherche à se mettre à genoux. La troisième des choses, il vient vers son sauveur. Mais quand tu vois le chrétien, quel que soit son péché, il s'en fout, il continue disant seulement. Quand la conscience est morte, c'est dangereux. En temps normal, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en temps normal de être plus puissant que l'Église. Tu as dit. L'Église parle avec Dieu. L'Église compose avec Dieu. Et quand tu composes avec Dieu, il est dangereux. Non, il n'est pas dangereux. Regarde ma fille qui vient de rendre témoignage. Elle m'a dit sa fille est dans le coma. Je dis comment sa fille peut me reconnaître. Dimanche, je suis passé, j'ai fait des propos précieux. Ok. J'ai apporté le propos précieux dans ma chambre. Je me suis mis en genoux. Et je suis arrivé à l'hôpital. L'enfant était couché. L'enfant ne voyait pas. J'ai touché l'enfant. J'ai dit, regarde, quand l'enfant m'a regardé, l'enfant s'est dit, nous sommes des dieux. C'est ce qu'on me reproche. On me dit, par moi, je suis sorcier, tout et tout. C'est parce que eux, ils n'ont pas la clé de ce qui est fait quand je suis sorcier. Mais tu es en train de les décrire, je le vois maintenant plusieurs ici. Je suis né avant mon temps. C'est que je fais. En temps normal, la Côte d'Ivoire, je vais faire ça peut-être dans 20 ans, 25 ans. Donc, quand on prend pas du nom, ça, ça n'est pas de Dieu. Mes enfants, en temps normal, avec tout ce que j'ai mis autour de vous, engrais, les phytos, tout et tout, en temps normal, on ne peut pas s'acheter ça. Comprenons que l'ennemi premier de notre vie, c'est notre chair que vous voyez. C'est notre chair. Tu n'as rien oublié sur le corps. Un homme qui a trop mangé, il a péché. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Excès de table. Quand tu regardes quelqu'un, et puis tu me dis que si il meurt, ça m'arrange. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mauvaise pensée. Tu n'as pas oublié ça. Quand on regarde quelqu'un, il est bien habillé. Il aime ça, hein. C'est lui toujours. Comment on appelle ça? Jalousie. Jalousie. Quand on regarde une femme, quand on la désire, et puis on ne parle pas, c'est pas grave. C'est convoitise, mais c'est pas grave. Tu n'es pas en bas de la relation. Mais quand je vais maintenant les éléments pour la séduire, jusqu'à ce que quand tu fais ça, le Saint-Esprit continue de te dire attention. Quand tu vas là, c'est pas bon, Ami. C'est pas bon, doucement d'abord, c'est pas bon. Et puis tu insistes que tu prends le rendez-vous. Et maintenant tu passes maintenant à l'action sexuelle. Dieu me l'arrange de souveil, il a tellement honte de ce que tu es en train de faire, quand tu fais la baisse sa tête. Il n'a pas la force de te défendre comme quand tu étais dans la pureté. La vie chrétienne est un mystère. On joue pas ce mystère. On joue pas ce mystère. Si tu veux avoir la victoire, Dieu t'a tellement bien créé, plein de séries à lui. Tu veux dire, si tu te mets dans le spirituel, mais tes hommes, tes tantes, tu sont sorciers, quand ils vont te voir, ils vont commencer à te fuir. Tant que tu n'as pas parlé, mais l'onction qui est en toi va commencer à dégager. Mes enfants, Dieu a tout mis sous nos pieds. Mais on constate que Dieu a tout mis sous nos têtes. Un homme pour avoir travail, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Oh, Dieu a tout mis sous ses pieds. Quand la vraie vie va être lapidée, hein? Faut même pas dire, il faut faire y avoir son pied ici par lui. Il fera comme ça, c'est tout.
quand il va prendre, il va te lapider. Tu as tout sous nos pieds. Travail sous nos pieds. Voiture sous nos pieds. Gloire sous nos pieds. Élévation sous nos pieds. Gloire. Tout mariage sous nos pieds. On ne va pas se battre pour prendre. Pourquoi vous n'attendez pas? Avoir maison, avoir voiture, avoir toutes les femmes du ciel. Mais la terre, si tu as trop vécu, c'est 120 ans. Il y a une éternité quelque part. Faut qu'on entre là-bas. Je serai très heureux. On dit la liste des évangiles pour tous. J'ai dit oui, je suis là. Venez rentrer, rentrer. Ok, les responsables, où ils sont? Les voilà tous pères. Ils étaient tous gagnés, les voilà. Tout le monde est entré. Voilà, tous les chrétiens sont entrés. Tout le monde est entré. Voilà, tout le monde est entré. Donc voilà, bonne place ici, Michel, on dit pour tous. Félicitations, tu as fait un bon travail. J'ai aimé tout ça. Est-ce que vous avez pu être trop rempli? Je vous dis, vous mettez les mains ici. Mettez les mains ici. Cherchez le royaume des cieux d'abord. Toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Voiture, ce n'est par-dessus. L'argent, c'est par-dessus. Parfois, nous, on ne peut pas prêcher pour le péché. Mais attends, toi-même, tu ne sais pas que le péché est péché. C'est bon, il va bien appeler ça. Ah oui, c'est le temps de la présenter. Craignons Dieu. Puisque tout le monde, je vous parle. Quand je fais comme ça, je dois la parler aussi. Je ne suis pas exclu. Craignons Dieu. Si nous craignons Dieu, on sera comme l'ambassade du ciel. Quand Dieu doit parler, c'est par toi qu'il parlera. Quand il doit agir, c'est par toi qu'il agira. Mais si tu n'es pas propre, le canal n'est pas bon. Dieu ne pourra pas composer avec toi. Je suis étonné que nos paroles ne se réalisent pas. Pourquoi nos paroles ne vont pas se réaliser? Si tu es avec moi, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Quand tu me regardes, à l'intérieur, c'est Christ qui vient à moi. Donc quand je parle, ce n'est pas moi je parle, mais c'est Christ qui parle. L'Église doit vivre la purification et la sanctification. C'est une série. Ton petit salaire de 200 000, là, il y a au moins trois copines dessus. Et en plus de ta femme. Mais tu seras commencé à manger les riz. Toi-même, tu es un gros pécheur, il faut te répandre. 300 ou 200, il m'a présenté la première maison. Si tu fais ce que fais que c'est. C'est ça comme ça on dit, fais que c'est. La première maison, tu baisses. Il a fini de payer. Il est à la deuxième maison. Et il me dit, cette année, le crédit va finir. La deuxième maison, c'est la maison vers la barre que prendre. Quand tu vas venir chez lui, tu vas voir les filets, les tupers seront non, comme ça. Il dit la barre que prendre. Il donne à sa propre maison, et l'autre maison, il va donner à la barre 400 000. Vraiment intelligent. Vraiment intelligent. Il a suivi le conseil de son papa. Je l'ai encouragé. Je lui ai dit l'homme là. Ce n'est pas le consul qui porte pour faire l'homme. L'homme là. Ce n'est pas la voiture qui roule qui fait l'or, mais c'est le placage qui est derrière toi. C'est à part là qu'on peut te respecter. Aujourd'hui, maison, location. Non, mais ici, maison n'est pas cher. Ici, là, il y a beaucoup, quelle maison est cher? Sans si ce n'est pas cher. Regarde où j'habite. C'est malheureux. Où j'habite, combien je paie à 450 000. Mais la même maison en face de moi, c'est 650 000. Et dans l'autre côté, le monsieur qui fait à 800 000, ils ont pris. Et l'ont pris. Donc aujourd'hui, là, dans 10 ans, 10 ans n'est pas trop. 10 ans, 15 ans, Abidjan va finir. On va réaliser. Espace en Benjerville et Abidjan. Il y a l'espace encore. Maintenant, on va voir où? Eloka. Les Églises connaissent Eloka. Au fond là-bas. Maintenant, regardez la route. Je suis ton papa. Si moi je te donne conseil que tu n'as pas pris, le diable va te donner le conseil, il faut prendre. Regarde maintenant ta route. Qui est là la route dans cet âme? Ok. Quand tu regardes en Songon, est-ce qu'il y a espace maintenant? Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace.
chemin qui est Jésus, il est peu inférieur à Dieu. Il doit maintenant économiser pour sauver sa famille. Un jour, de la femme va t'appeler vieux con. Je le dis, hein, un jour. On a été créé peu inférieur à Dieu. Regardez devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, il y a l'union, il y a le faux, il y a l'air, mais il y a la face de Dieu. La face de Dieu qui est l'intelligence. L'intelligence. La face de Dieu qui est l'intelligence. Quand tu vas avoir plusieurs copines, quand tu vas avoir plusieurs, qui sacrifient ici un peu, 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 tu attends faire deux choses. Tu peux marquer ces deux choses. Si tu n'aimes pas mon but, il faut écouter mon but. Mon évangile, c'est un citron. Il va te donner du bavoir. Quand tu as fini, tu vas passer. Ici, d'abord, tu gaspilles de l'énergie. L'énergie physique, tu donnes ici. L'énergie financière, tu donnes ici. L'énergie physique, tu donnes ici. L'énergie financière, tu donnes ici. Par moment, il y a quatre. Et ta propre femme, elle a fait 5. Pourquoi on va te déposer là? Remarquez, nos parents ont plusieurs femmes. Dès la 50 ans, ils commencent à marcher comme ça. Ah oui, il a quoi donné? Il a quoi donné? Écoute-moi, Fabien. Écoute-moi, Fabien. Dieu nous donne des opportunités, mais nous ne dit pas. La plus grande opportunité que Dieu donne à l'homme, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Je n'ai jamais vu un peuple intelligent comme les musulmans. Excusez-moi, hein. Ça va. On ne peut pas m'arrêter pour ça. C'est bizarre. Et c'est vrai. Je n'ai jamais vu un peuple intelligent comme les musulmans. Mais là, nous, on ne croit pas en les dieux. On se dit les dieux là, c'est pas Dieu. Et moi-même, j'ai dit, j'ai régné les dieux pour venir accepter Jésus de Nazareth. Parce que là, je ne crois pas en lui. Moi, je crois qu'en Jésus de Nazareth. Maintenant, eux vont dire qu'on n'est pas Dieu. Il a 4, 5 femmes, 6 femmes, ok. Il y a vraiment, il y a Mahat, il y a tout le monde là. Mais quand tu vois 8 heures, tu es coupé à l'honneur et tous. C'est l'autre chose. Ah, si un cas apprenti, prends un forgeron. Il y a qui encore? Salifou travaille à la casse. Il y a qui encore? Il sait qu'il y a un chauffeur. Il y a qui encore? Il est apprenti. On se retrouve à 20 heures. Quand on se retrouve à 20 heures, quand on fait le compte est très bon. C'est bon ou non, c'est pas bon? Chacun en va un peu. Maintenant, le papa, lui, toute sa pensée, il doit tout faire pour la maison. Il doit tout faire pour la maison. Tout le monde pourrait tout faire. Il n'y a pas de détails. Mais regardons un peu. Regardons nous-mêmes un peu. Il doit tout faire pour avoir raison. C'est maintenant, les autres étudiants sont en train de construire une maison. En bas, tu vois un niveau de l'histoire du bâtiment. C'est maintenant l'esprit en train de s'ouvrir, mes enfants. Quand on ne vit pas en battant comme ça. Regardez-moi, on ne vit pas en battant comme ça. Mais on vit en battant comme ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ils sont comme ça, ils sont bien contents. Ils sont mourir comme ça. C'est comme ça. Tandis que tu as l'occasion, celui qui le coûte actuellement, s'il est fonctionnaire, s'il doit aller prendre une maison, on va le couper jusqu'à sa retraite. Moi, je l'accompagne. Ah oui, je l'accompagne en encourageant. Parce que nous, on arrive aujourd'hui là, avoir un droit est devenu un problème. On est devenu plus inférieur à Dieu. Dieu a tout mis sous nos pieds. Mais l'intelligence manque l'église. L'intelligence manque l'église. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Que Dieu m'ait tout donné. Et c'est moi aujourd'hui, je demande mon pain. Pourquoi? J'ai un grand Dieu en moi. Et c'est moi aujourd'hui, je ne prie pas. Pourquoi? Il y
y a un puissant Dieu à moi, un glorieux Dieu à moi, et rien ne marche pour moi. Pourquoi? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Crée Dieu, marche en sa voie, tu feras la gloire de Dieu. Non, il est trop léger, il parle pas du péché. Mais comme il dit, tu es déjà, tu es saint. Quand tu es saint, tu n'es pas saint. Tes enfants, la lune, les étoiles, la nature, tu as tout le choqué. Ça tout le monde. Je peux, je les respecte. Au lieu de prendre un enfant, mon enfant est cité à la boutique, je suis derrière, je suis cité, je suis arrivé ou pas. Mais, un enfant de 6 ans, il va avoir mon bûche. C'est quoi ça faut? Et les risques qu'il prend au milieu de la route, ça ne le tue jamais. J'ai peur l'Autriche, j'ai peur l'Autriche, j'ai peur l'Autriche. Quand tu vas au Cameroun, quand tu appelles les Bamélékés, vous connaissez les Bamélékés? Les Bamélékés, ils ont un peu l'esprit humain. C'est un des plus riches. Quand tu ne cherches pas, ça ne vient pas. Mais quand j'ai honte de vendre à l'opos, j'ai honte de vendre à l'opos. J'ai honte de faire ça. Non, ça, c'est pas pour moi. Non, non, fait, je veux pas mourir. Ah oui, ça t'a mis en retard jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu peux faire. Je dis bien, toi, tu peux faire. Il y a une jeune fille qui en a son témoignage. Elle, il étudie ma trahison, je vends à l'opos. C'est comme ça que je suis agarré, voiture, voiture, elle s'en va bien. Il a mangé mon aéroport, mais regardez seulement. Il m'a donné 10 000, il était à part mon éléphant. Il dit, je suis revenu encore. Il dit qu'elle est revenue, c'est la même fille qui vendait. Tellement qu'elle était dévouée, il a perdu sa femme. Il perd milliardaire, mais on se bat la peine milliard. Il a regardé jusqu'à dire, mais excuse-moi, est-ce que je peux parler avec toi? Comment il va, il ne voit pas clair. Mais seulement viens à la descente. Il dit, je raconte mon histoire. J'étais ma femme, je l'aimais bien, mais malheureusement elle est morte. Mais je lui ai raconté les conditions dans lesquelles, par exemple, je te vois. Mais quand je lui ai raconté, elle m'a dit à Bolo, le zèle que tu as, c'est le même zèle. Elle dit, ah, donc on va l'arrêter, on va prier. Tu vas dire ça à mon papa, et puis mon Dieu a donné une autre femme. C'est comme ça qu'elle a conduit le monsieur à l'église. Le monsieur dit, lui ne veut pas à gauche, il ne veut pas à droite, mais c'est elle qui est ma vie. C'est comme ça, il y a 6 ans, ils ont célébré leur mariage. Il dit, non, tu ne peux plus m'aller à gauche, moi j'ai l'argent. Tu vas gérer mon argent, mais je vais essayer d'abord. C'est comme ça, tu vas voir aujourd'hui, elle ouvre un cactus, et puis elle raconte ça à tout le monde, en disant, si tu veux pas bénir quelqu'un, il n'y a pas une position de bénédiction. Il peut te bénir en vendant le haut, il peut te bénir en marchant, il peut te bénir en faisant ça. Ta mission, c'est peu inférieur à Dieu. Peu inférieur. Peu inférieur. Peu inférieur. Donc, mes enfants, s'il vous plaît, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Quand tu me vois là, je te dis, ben, je suis gentil, mais votre nom que vous voyez là, je suis gentil. Mon grand cible, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Mais mon grand cible, je vous gère tous. Quand tu entends mon âme, je dois voir les cas de corps comme je suis partout, même à la maison. Je dois voir les gens autour de moi. Je dois avoir un bon secrétariat. Mes coups de fil, je ne vais pas prendre, je vais finir un coup de fil. Mais non, je ne suis pas arrivé. Dans d'autres temps, je suis arrivé. Je ne suis même pas encore, je n'ai même pas encore commencé. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. C'est la main que Dieu bénit. Tu as tout mis sous nos pieds. Sous nos pieds, il a tout mis. Dernier passage, c'est l'envoi. À aimer Dieu même encore plus. Si on devait choisir, moi je vais faire quoi à la fin? Je ne vis pas ici. Je n'ai même pas né ici. Je vais chercher un milliardaire. Et puis je vais dans cet endroit. Et puis je suis le seul enfant. Non, le seul enfant, je n'ai pas un seul, je n'ai pas un seul.
frère, non. Le seul enfant est tout autour de moi, après il n'est pas mais fatigué. Mais ma volonté n'est pas la volonté de Dieu. Le parcours est long avant qu'on soit glorifié. Il n'a pas commencé à être glorifié, non. La Bible dit celui qui est reconnu avant est rappelé avant. D'abord, il a dit tout ce qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me dis, je n'ai pas 5 ans, j'aime Dieu, je suis content. Je n'ai pas mangé, je suis content. Mais en partant, il dit, ceux qui l'ont rappelé, il l'a justifié. Il me dit, on est venu à nos péchés, tout ce que nous avons fait. Maintenant, lui, Dieu, il nous a appelés, il nous a justifiés. Qui a fait de nous justifier? Il nous a appelés maintenant à lui, et enfin, il nous a maintenant glorifiés. Mais ce qui est mauvais, quand le chrétien met les pieds dans la maison du Seigneur, la première semaine, il va être glorifié déjà. Mon mariage. Non. Il y a un processus. Voilà pourquoi plusieurs disent que ta présence est Dieu. Plusieurs autographes. En disant, je suis allé à la jusqu'à, je n'ai rien vu. Mais la réception qui a persévéré depuis quelle année? 2007, elle est son père. C'est sûr, elle est son père. Un télévision qui a dit, je n'ai pas les yeux de moi, même si je n'ai pas les yeux, je suis là. Mais aujourd'hui, Dieu l'a glorifié. Combien de personnes qui vont au Canada? C'est un pays où on ne donne pas visa, je vous le dis. France donne visa facilement. États-Unis donne visa facilement. Mais Canada est un grand pays vaste, n'est pas peuplé, mais on ne donne pas visa. Mais aujourd'hui, elle se met dans le rang des Canadiens. Et puis quelqu'un vient à l'aéroport, elle a son visa, le premier temps c'est la position, on regarde, on lui dit, visa Canada. Dieu la modifie comme ça. Elle m'a dit, oui, visa Canada. Dieu la modifie comme ça. Visa Canada. Puisqu'elle s'assoit la nation maintenant. Et quand la nation acquérit, elle descend ciel blanc parce que Dieu l'a glorifié, elle descend par sa fille et Dieu l'a glorifié. Ses papiers sont propres et nets, son fait que fait. Donc attends d'abord. Il y a un parcours avant que Dieu te glorifie. Il y a un parcours où ton temps change. Il y a un parcours où tu ne gagnes pas à toucher. Il y a un parcours où le monde t'abandonne. Il y a un parcours où tout le monde se moque de toi. Et c'est en ce moment-là que Dieu maintenant vient te glorifier. Celui qui a connu l'avance, il t'a connu l'avance. Voilà pourquoi il va te glorifier. Qui accusera les élus de Dieu? Il a fait que dans la maison, il a péché. Voilà pourquoi Dieu n'est pas avec lui. C'est compliqué sur lui. Tout le monde t'accuse. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tout le monde t'accuse, mais Dieu ne t'accuse pas. Le parcours dans lequel tu es, c'est un parcours normal. C'est le parcours du champion. Vas-y. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Personne. Christ est mort. Bien plus qu'il est ressuscité. Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour ton mariage. Il intercède pour ta santé. Il intercède pour ton enfantement. Il intercède pour ton déménagement. Il intercède pour ta société. Il intercède pour ton voyage. Il intercède pour tes supplications. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ah, là, j'aime bien ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? L'angoisse? Ou la persécution? La persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité où je n'ai plus ta vie à porter? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous met à mort tous les jours, on nous calomnie tous les jours. Dans notre famille, on dit c'est lui qui va à l'église, on ne voit rien. Depuis la grossesse, c'est pas. Depuis là, on ne voit rien. Mais c'est lui seulement qui va à l'église. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, c'est ça qui m'intéresse, toi, l'acclamer. Acclamons le Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a trouvés.
par celui qui nous a aidés. Que Dieu bénisse sa parole. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Que Dieu bénisse sa parole. La vie chrétienne n'est pas facile. Voilà pourquoi je n'ai jamais un esprit de condamnation. Moi, je viens avec un esprit de te faire sortir de nous. Si tu as fait de voyager, je ne mets pas ta tête pour te tuer. Non, 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 non. Mais il te fait sortir de nous. Mais l'enfant, je crois en vous. Apocalypse dit, puisque tu as peu de puissance et que tu n'as pas régné mon nom, tu es resté fidèle à moi. Pardonnant, c'est Dieu comme un moment, tu n'as pas prié assez. Le jour où tu auras des problèmes, tu me verras également. Amen. Tu me verras également. La semaine passée, tu as vu dans ton rêve. Et l'échec que tu as perdu voulait marcher absolument avec toi. C'est l'esprit de mort. C'est pas de pouvoir te séparer de cette personne. Au nom de Jésus. Où es-tu? Tu as perdu un échec à 4 ans, 3 ans, 4 ans. De la semaine passée, tu l'as vu en rêve, la personne veut marcher avec toi forcé. Tu ne veux pas que la personne veut marcher avec toi. Où es-tu? Parlez-le moi. Laisse où tu es. J'annule cette action au nom de Jésus. J'annule cette action au nom de Jésus. J'annule cette action au nom de Jésus. J'annule cette action. Après une fois 30 ans, elles m'ont suivi comme un caillot de sang quand ça va venir. À tout moment où je te parle, c'est venu, c'est très gêné. Tiens-toi de vous, c'est un mauvais signe qui va arriver. Où es-tu? Sors un peu là. Et jurer que la part va d'enfant. Je suis prophète. Parole contre parole. Décret contre décret. Quittez son parente. Mettez-vous derrière elle et devant elle. Devant scorpion dans son ventre. Que le Seigneur est en train d'enlever maintenant. Vous avez juré que la part va d'enfant. Que scorpion est en train de partir maintenant. La lumière qui est à moi en train de briller vers elle maintenant. Ce scorpion en train de partir à partir d'aujourd'hui. Je parle à ton bas-ventre. Je commande à partir de maintenant. Les menstrues qui viennent en caillot de sang. L'éternel te guérit miraculeusement. Le miracle est parfait. Je prends le scorpion maintenant et je le hors de ton ventre. J'enlève le second. Je le hors de ton ventre. Sur toi. Je prends le troisième. Je le hors de ton ventre. Faites la bouche, c'est fini. Deux mois, tu seras enceinte et tu sauras que je suis prophète. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. Il y a 4 ans, il y a eu ton PPC. 4 ans, il y a eu ton PPC. Et ton PPC est perdu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Où es-tu, je vais te parler. Où es-tu, je vais te parler. Il y a 4 ans, tu as eu ton PPC est perdu. Où es-tu, je veux te parler.
veux te parler. Je suis en train de voir le VPC. Je veux te parler. Où es-tu? Le VPC est perdu. C'est toi? Il faut approcher.
enfants de la Côte d'Ivoire. Ça, tu vas prier maintenant. Dimanche passé, il a prophétisé, il a dit que quelqu'un va recevoir une force. La personne a reçu, mais il ne pense pas que tu as besoin de payer. La personne a reçu. Le fruit là, non, prenez ce cadeau. Je ne sais pas, et il ne pense pas que la personne va payer. Office, tu vas la riche. Ah, tu seras riche, ça c'est clair. Plan de l'eau. Avant moi, le Morgan, comment on appelle, avoir, allez payer dans le coin. Si vous voulez aussi une élévation. Que l'Éternel envoie l'abondance. Que l'Éternel envoie l'abondance.